Tu l'es belle comme la papaya. No digáis nada, no os entendería. Hey, salut à tous les frères, c'est Zero, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui sur un tout nouveau débat, les gars, donc mon deuxième débat sur ma chaîne YouTube. Donc tout d'abord, les gars, je voulais commencer déjà à m'excuser parce que j'ai pas fait une vidéo pendant une semaine, les gars, donc je voulais m'excuser, les gars, j'ai pas trop le temps, je suis franc avec vous, j'ai pas le temps du tout, donc je vais essayer de vous caler quelques vidéos cette semaine, mais vraiment, vraiment. Et quand les vacances vont arriver, parce que ouais, les gars, c'est bon, vous allez reprendre les cours, je prends déjà vacances. Quand les vacances vont arriver, je vais vous uploader. Je vais essayer en tout cas, les gars, de vous uploader 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc, ou 4, ça peut dépendre de l'activité, etc. Donc voilà, les gars, je voulais direct m'excuser. Donc, passons direct au débat, les gars. Donc, ce débat, ce sera un braquage. Donc, c'est pas un braquage de GTA ni de rien du tout. C'est un vrai braquage, les gars. Hellstorm Alli en approche. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, un titre assez drôle. Hein, vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis ça. Donc voilà, les gars, ça s'est passé en fait à Lyon. Il y a environ une semaine et demie, deux semaines, les gars. Donc, on va dire 2 semaines en gros. Ça s'est passé à Lyon, donc en France. Hein. Un mec qui a braqué une maison, les gars. Une maison, donc voilà, les gens étaient partis en vacances. Et il a braqué une maison. Ok, les gars. Ensuite, il a braqué la petite maison. Il a pris 2000 euros, les gars. Ok, 2000 euros. Ouais, mais 2000 euros par point d'argent en bijoux, etc., etc., les gars. En bijoux, en argent, en diamant, en tout, les gars. Ok, mais ce con, qu'est-ce qu'il a fait, les gars? Il a volé une trottinette à 20 balles dans le garage. En fait, on avait rien pour partir. Donc, tellement que le mec c'était un gros flemmard de se barrer à pied et courir, il a pris la trottinette du gamin qui avait 8 ans, quoi. Voilà, les gars, et le petit truc qu'il a fait, ce con, voilà, il a emmené les 1500 euros et tout, les 2000 euros, je sais plus trop combien il y avait, les gars, donc ça, je m'excuse encore une fois. Drone ennemi repéré. Il a pris la trottinette, les gars, il est parti, donc les flics, ils poursuivaient, là, il y avait plein de flics qui le poursuivaient, mais ce con, c'est que vu qu'il a pris la trottinette, les flics le poursuivaient, il s'est tollé, ok, les gars, il s'est tollé, il est tombé, quoi, puis, voilà. Il est tombé, les gars, et il s'est pété le poignet. Ok, les gars, il s'est pété le poignet. Donc là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre-là. Il s'est pété le poignet, donc faut vraiment être con, les gars, quand même. Piquer une trottinette à 20 balles et piquer 2000 euros, faut vraiment être con, quand même, les gars. Donc, c'est assez... la France part en couille, les gars. Tout simplement, les gars, la France part en couille, donc... Il s'est pété le poignet, les gars, il a eu une petite amende, les gars, 2-3 années de prison. Donc ouais, donc, encore 2-3 années de prison, une amende, et il s'est pété le poignet. Voilà. Le mec, il a tout gagné, en fait. Donc les gens, ils ont vendu les dias, ils ont vendu les bijoux, etc., les gars. Donc lui, il a gagné 3 années de prison, une amende, et le pétage de poignet. Attention. Donc voilà, les gars, vraiment un sujet insolite, les gars, que je voulais vous proposer aujourd'hui. Désolé s'il a vraiment été court, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner votre avis dans les commentaires, les gars. Car je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Finalement, mec, c'est un casson ou un gogol. Dites-moi dans les commentaires, les gars, ça me ferait vraiment plaisir. On est déjà à 189 abonnés. Ouais, les gars, ça a pas monté depuis une semaine parce que j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Cible et... Mais bon, les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, le mec, c'est con, etc. Donnez vos avis, les gars. Vraiment, ça fait plaisir. Lâchez un petit like, les gars, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi, si c'est pas fait, hein. Abonne-toi, c'est vraiment sympa. On arrive bientôt aux 200 abonnés, les gars, ça serait vraiment cool de les avoir. Perso, hein. J'aimerais bien les avoir. En fond, les gars, je vais essayer de vous mettre un gameplay de Black Ops 3 parce que je ne l'ai pas mis, ça fait au moins 2 semaines. Je vais essayer de vous mettre un gameplay de Black Ops 3, j'essaie de trouver ça sur ma Play 4, les gars. Et je vous mettrai en gameplay de fond. J'ai aussi avec des gameplays de FIFA 16, donc la démo, les gars, la bêta. Ouais, la démo, on va dire ça. Et le jeu sort dans... Il sort...
mercredi ou jeudi, je ne me rappelle plus les gars. Donc là, l'heure que je parle, on est dimanche 11h33, on est dimanche 20 septembre. Donc il sort le 25 ou le 26, je ne sais plus trop. Donc c'est jeudi, c'est mercredi ou jeudi. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, lâche un petit like. Pouce bleu, pouce vert, pouce rouge, pas de pouce. Drone allié en approche. Petit commentaire, abonne-toi, etc. C'était Zero. Allez les gars, à la prochaine. Bye bye. Donne-moi. Trop fait tuer. Éclaireuse abattue. Hellstorm allié en approche. Hellstorm allié en approche. Drone en approche. Ennemi abattu. Un de moins. Drone en approche. Il n'y a pas de médaille pour les deuxièmes. Écrasez-les. Drone en approche. Attention. Drone ennemi en approche. Drone allié en approche. Rapace allié dans votre secteur. Ennemi à fait. Drone en approche. Il n'était pas à la hauteur. Mission réussie. Ok, on remballe. Stratège terminé. Bon débarras.